Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici le titre. Les premiers ministres cambodgiens et thaïlandais conviennent de renforcer et d'élargir davantage la coopération bilatérale. Donc la soirée du 15 octobre 2024 le Premier ministre cambodgien Sdech Moha Bowat Thapadey Hun Manet a rang kong tkei lok chum tieu phe thong than sinovatka phkomnya ka minister du royaume de Thaïlande allocation de sa participation au 44e et 43e sommet de l'ASEAN du 15 octobre 2024 à Vientiane capitale de la République démocratique populaire lao Au cours de la rencontre, le la Première ministre thaïlandaise a remercié Srejmo de thapadey pour avoir envoyé le premier message de félicitations lors de sa nomination au poste du Premier ministre thaïlandais. La Première ministre a noté avec satisfaction le développement ultérieur des relations et de la coopération entre les deux pays, la suite de la visite officielle de Smith Mohamed Bobot Honmanet en Thaïlande en février 2024. En réponse, Smith Mohamed Bobot a salué les progrès des relations Cambodge-Thaïlande qui ont été élevés au niveau d'un partenariat stratégique en 2024 on Mohamed et de ont discuté du renforcement et de l'expansion de la coopération bilatérale, notamment la reprise d'un certain nombre de réunions du mécanisme bilatéral, une étude sur la possibilité d'établir des zones économiques spéciales complémentaires, des relations entre les peuples, le tourisme, la défense et la sécurité. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer et d'élargir davantage la coopération bilatérale et ont confié au ministère des Affaires étrangères des deux pays pour faciliter les discussions ultérieures sur les sujets ci-dessus et d'organiser un certain nombre d'activités pour célébrer l'anniversaire de la 75e édition de la relation diplomatique Cambodge-Thaïlande en 2025. Son excellence, Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Croatie, a demandé aux autorités de tous les niveaux d'accorder très attention aux habitants touchés par les inondations. Au cours de l'entretien avec les habitants touchés par les inondations dans les communes de Pungro, et de Ksajandai, district de Chlong, province de Crochet, son excellence, Petra, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Crochet, a souligné que ce qui est important pour cette saison des pluies, auquel le gouvernement royal réfléchit et accorde une grande attention, est de résoudre le problème à temps pour les personnes touchées par les inondations en fournissant de la nourriture et des matériels nécessaires. Lorsque l'eau se retire, le gouvernement fournira également des semences de riz afin que les agriculteurs puissent se rétablir après les dégâts causés par les inondations. Selon le rapport de son excellence Vatron, gouverneur de la province de Croatie et président du comité de la gestion des catastrophes de Croatie, les inondations ont endommagé 5 872 hectares de riz. La province de Croatie a reçu 605,700 tonnes de semences de riz pour distribuer aux agriculteurs touchés par les inondations un total de 5 villes, 31 districts, Song sang con sét village, 6 mil Plus de 400 sang familia, vi vọng dang le kumin na de pung et e de sak district de sik de chlong, nuôi vun nui khu de se mong se de ri a set Chaque famille a reçu 100 kg de semences de riz. Le chef du département de l'Agriculture de la province de Crochet a informé les techniques de culture de cette nouvelle semence de riz aux agriculteurs afin qu'ils puissent durer les réalisations maximales de cette nouvelle semence de riz. Le gouvernement royal de la septième législature considère le travail de réforme et de renforcement des institutions de l'État comme une priorité dans la première phase de la stratégie du Pentagone. C'est ce qu'a déclaré son excellence Ben ministre du Plan, au cours de la rencontre avec les dirigeants et fonctionnaires du département provincial du Plan de la province de Simri. Son les langs le ministre du plan Bun Tra Chay Assetou Kasyong ou le vel la autre royaume d'Asyong de s'adjecte Moha Senam Paday De Jou Hun Sen président du Sénat du Royaume du Cambodge et ancien premier ministre sur la réforme de Katvang Disnapok Song Vivang Pouk Song Muria au contraire si non réformé Ang Pouk Song Vivang Katvang Disnapok Song Mo Le ministre a donné et partagé des recommandations aux dirigeants et fonctionnaires du département provincial du plan de Simrib afin de promouvoir davantage la formation et le renforcement des capacités selon le contexte de changement rapide du monde. Il a rappelé que le Cambodge est complètement en paix. Il est maintenant temps pour nous de faire des efforts pour contribuer au développement de la nation pour l'avenir du Cambodge et de nos générations futures. Dans le même temps, son excellence le ministre a déclaré l'objectif du ministère du Plan de renforcer et de développer la base de données communes, 104, pour devenir une donnée pouvant être utilisée de plus pour la compilation de politiques, comme le slogan politique basé sur les données. Veuillez rappeler que Simrib est la 23e province. Où le ministre est arrivé conformément à la plus haute recommandation du chef du gouvernement royal qui impose à la nouvelle génération de ministres de rencontrer les dirigeants et fonctionnaires des unités subordonnées dans les capitales provinces pour renforcer les liens de solidarité entre les niveaux national et infranational. Le ministère de l'économie et des finances a organisé une formation sur la gestion des finances publiques pour les fonctionnaires de la direction de l'impôt des provinces et capitales. Au moins 80 fonctionnaires de la direction de l'impôt provincial et de la capitale ont participé à ce cours de formation. L'objectif est de contribuer à la mise en œuvre efficace et durable de la quatrième phase de la réforme de la gestion des finances publiques. Son excellence, Mandersa sa à Hinsahib, secrétaire d'État et président du groupe de travail, suit le renforcement des capacités, a à déclaré lors de la cérémonie que le gouvernement royal, sous la direction sage et énergétique de Zmay Mohammad Abou Tapdei Honmanait, premier ministre du royaume du Cambodge, continuer de donner une priorité à la construction et au développement des ressources humaines pour soutenir et mettre en œuvre le processus de développement socio-économique national. Il a poursuivi au nom du personnel du gouvernement royal, le ministère de l'économie et des finances a toujours mis l'accent sur le renforcement et le développement des compétences liées à la gestion des finances publiques en lançant un plan stratégique de renforcement et de développement des capacités dans le cadre du programme de réforme de la gestion financière qui est régulièrement mis à jour conformément à la réforme du gouvernement royal pour orienter la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires des finances publiques, des ministères, des institutions publiques et des administrations infranationales. Dans le contexte de technologie de l'information, le gouvernement royal a mis en œuvre le système de l'information sur la gestion des finances publiques, FMIS, dans tous les ministères, institutions, le département provincial et capital, afin de garantir la transparence, l'efficacité, et des données financières pour l'analyse, la prévention et la prise de décisions efficaces et complètes. La Chambre de commerce cambodgienne et le Conseil d'affaires Royaume-Uni-Asien promeut conjointement une coopération économique spéciale afin de promouvoir le Cambodge en tant que destination d'investissement pour les hommes d'affaires britanniques.

Accompagné d'une délégation de la Chambre de commerce cambodgienne, on rencontrait son excellence Edvaise, président du Conseil d'affaires du Royaume-Uni ASEAN pour promouvoir la coopération entre les deux institutions.

Il a ajouté que le gouvernement royal du Cambodge fournira toutes sortes de soutien et de coordination afin que les hommes d'affaires et les investisseurs étrangers puissent faire des affaires et investir au Cambodge de manière fructueuse avec des objectifs stratégiques axés sur l'amélioration en environnement propice aux affaires, commerce, grâce à la facilitation et à la simplification des procédures pertinentes à la fourniture de services publics, et d'affaires administratives ainsi qu'à l'infrastructure connectée au niveau national et régional. Son excellence advisée, président du Conseil d'affaires Royaume-Uni asean a pour sa part réaffirmé la position du Conseil d'affaires Royaume-Uni asean sur la promotion des relations économiques avec le Cambodge, reconnaissant le potentiel de promotion du partenariat économique. Il a ajouté le Conseil d'affaires au Royaume-Uni asean a été heureux de continuer à travailler avec la Chambre de commerce cambodgienne pour tirer le meilleur parti des opportunités du Cambodge. Au cours des discussions, les deux institutions ont convenu d'aider à promouvoir le Cambodge en tant que destination d'investissement pour les hommes d'affaires au Royaume-Uni et de faciliter le climat d'investissement au Cambodge. En particulier les deux institutions continuent de travailler main dans la main pour promouvoir la coopération au niveau de l'AAN et au niveau multilatéral c'est la fin de notre journal merci de l'avoir suivi demain vous retrouverez comme pour une nouvelle et selon ce so